une fois à bord de votre émission divertissement Tuvision. Tuvision pour soi pour vous ce soir, ici à Montréal, au Canada. Enam Ayele, bonsoir, bienvenue sur Tuvision. Bonsoir Venance, merci beaucoup de me recevoir. Alors c'est qui Enam Ayele dans le monde du showbiz africain et mondial? Enam Ayele dans le monde du showbiz, c'est une petite fille qui fait encore ses premiers pas dans la musique, qui a beaucoup été choriste avec d'autres artistes, avec des chorales, et qui maintenant a décidé de prendre le risque de devenir une grande fille et de voler de ses propres ailes. Merci encore d'être avec nous. Alors, on buvait quoi à l'époque? On écoutait qui à l'époque? Angélique Kidjo, Michael Jackson, Francis Cabrel, Thon Stan, Sagboran Danyalou, on écoutait tout le monde parce que justement cette mixité là était importante pour les parents et pour la famille et heureusement que j'ai eu ça. Alors on parle de votre album qui est sur votre single, un feat qui est sur YouTube, Soukem qui est fait avec un duo, un autre frère béninois. Alors, c'est quoi Soukem? Ça a commencé comment? Soukem, ça a commencé avec Sœur Corée qui m'a envoyé un beat, qui m'a dit oh j'aimerais faire quelque... En fait il m'a dit voici un beat pour toi, fais quelque chose là-dessus. J'ai écouté, j'ai aimé le beat et je suis retournée le voir en lui disant « J'ai pas envie de faire ça toute seule. Je sais que tu as ce qu'il faut pour le faire. Je sais que tu es artiste aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un featuring ?» Et justement, la première mélodie qui est venue a été celle du refrain, le Soukem que tout le monde entend. Et pour moi, ça reste important, même si je fais de la musique assez contemporaine, de garder quand même mes origines, d'où l'apport de la langue Mina sur cette chanson-là. Mais d'autres fois, ça va être des beats plus africains et du français ou de l'anglais. C'était quoi votre partition vocale sur cette chanson? Votre partition vocale, c'était quoi? C'était surtout le refrain. Moule Claudie, le de Kukunao. Nemu Jagodo wa soke. Non vigne ma ouye la fadji na wolo. Une très belle chanson, vous avez vu avec moi un thème vocal particulier. Alors, dites-nous, Enam Ayele, à vos projets à court et à long terme. Alors, à court terme, il y aura un premier single qui est en préparation pour cet été. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire écouter ça à tout le monde et de vraiment avoir mon premier bébé musical. Et à moyen long terme, c'est pouvoir produire un premier album, enfin, à mon nom. Alors, si vous n'étiez pas artiste musicienne, si je n'étais pas musicienne, je ferais uniquement les relations publiques comme je le fais maintenant comme travail. Alors ici à Montréal, est-ce que ça bouge? Est-ce que le groupe, est-ce que le milieu africain, est-ce que le Bénin, le Togo est représenté ici musicalement parlant? Il y a des talents, il y a beaucoup de potentiel, mais la communauté béninoise et la communauté togolaise ne sont pas forcément les communautés dont on entend le plus parler, mais les talents sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà que nous-mêmes artistes, on prenne plus de risques, mais il faut aussi énormément le soutien de la communauté, qu'ils nous soutiennent comme ils soutiennent les gros artistes qu'ils ne connaissent pas. Enam Ayele, merci encore de cette vision. Musicalement parlant, qu'est-ce qu'on doit faire pour pousser un peu ce mouvement africain ici à Montréal? Pour pousser le mouvement africain, il faut inviter les artistes africains qui sont ici à faire des shows. Et il faut aussi accepter de leur payer des cachets décents. Parce que quand je viens faire un spectacle, c'est des heures de répétition. C'est des musiciens que je dois payer. C'est du travail que je ne fais pas, donc un salaire que je ne gagne pas. Mais il faut que je paye mes factures. Si tu m'invites et que tu ne veux pas me payer, à un moment donné, il faut que je choisisse entre survivre ou faire gratuitement quelque chose pour toi. Ça devient compliqué. Donc, c'est vraiment de demander à nos frères et aux autres, oui, de nous inviter pour nous promouvoir, mais d'arrêter de nous vendre la carte de la visibilité et de nous payer pour les efforts qu'on met dans les événements. Parlons de la visibilité au niveau de l'Afrique, au niveau du Bénin, du Togo. Qu'en pensez-vous faire pour arranger cette visibilité? Pour arranger la visibilité ici, comme je dis, c'est vraiment de faire plus de spectacles. Et dans l'autre sens, c'est de ne pas se vendre uniquement sur le marché où on se trouve, mais de se rappeler qu'on arrive de quelque part, donc de maintenir ou d'établir de nouveaux contacts pour pouvoir être promu là-bas aussi, parce que ça reste important pour nous de se faire connaître chez nous. Enam, dites-nous, on vous reconnaît comment dans le jargon? On vous reconnaît comment? Vous faites de la R&B, du hip-hop, du jazz. On vous reconnaît comment dans ce jargon artistique?
Dans le jargon artistique, on me connaît comme la métisse, c'est-à-dire que je puise de mes origines africaines, mais aussi des influences des pays où j'ai grandi, où j'ai étudié ou dont j'ai écouté la musique. Donc, je vais prendre du R&B auquel je vais rajouter des sonorités africaines, je vais prendre du jazz auquel je vais rajouter une langue africaine, je vais faire du gospel, mais décider que je veux chanter dans une langue de chez moi. Enamayele, merci d'être sur Vision. Au début de carrière, si faut compter les prêts, c'était en quelle année les prêts? Côté chant, on va dire 2002, quand j'étais dans la chorale du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. Et après? Après ça, il y a eu la France, il y a eu d'autres chorales ici à Montréal, et il y a eu un gros déclic en 2012 en travaillant avec l'artiste camerounaise Vibi. Alors, parlons de la religion. Qu'est-ce que Dieu représente pour vous, le Dieu, Dieu? Pour moi, Dieu représente le début, le milieu et la fin. Dieu représente celui qui m'a donné ce talent. Dieu représente celui qui m'utilise comme instrument pour aller toucher des personnes. Donc, même si je ne chante pas Dieu tout de suite dans toutes mes chansons, mais les personnes qui me connaissent savent que Dieu reste devant tout ce que je fais. La place de la famille dans votre carrière, la place de la famille. La place de la famille, bon, il a fallu bousculer un tout petit peu papa et maman pour pouvoir faire une carrière en musique, mais il m'encourage quand même à poursuivre mes rêves et la famille reste extrêmement importante pour moi. Merci encore d'être avec nous. Enama Ayele, vous êtes sur TuVision, version internationale. Nous sommes ici à Montréal, au Canada. Dites-nous, quelle scène vous a marqué? Quelle scène vous a marqué? Je pense qu'il y a eu une expérience assez particulière en 2012 ou 2013. C'était quoi l'expérience? Angélique Kidjo était à Montréal. Elle faisait un spectacle extérieur pour le festival Nuit d'Afrique et elle a invité le public à monter sur scène pour danser avec elle. Et juste de me retrouver sur scène avec cette diva-là, de pouvoir fredonner, tu sais, comme oui, les gens n'entendaient pas ma voix, mais de pouvoir fredonner à côté de cette C'était quelle personne-là. chanson? C'était FIFA, c'était ça? Non, je pense que c'était Quoi? Chez Mama Africa. Africa. Cette chanson-là est magnifique. Chez Mama Africa. Africa. Ouais, c'est une chanson que j'aime beaucoup, que j'essaye de refaire en spectacle aussi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un don de Dieu, ce thème vocal. Je trouve en vous quelque chose de particulier, pas comme des autres. Alors, c'est quoi? C'est quoi ça? Je pense que c'est un don de Dieu parce que j'ai jamais eu de cours de chant. J'ai toujours travaillé juste à l'oreille. Je ne sais pas lire la musique. Ici, dans les chorales, tout le monde me demande, mais comment est-ce que tu fais? Ben, j'écoute et je reproduis, c'est tout. J'ai jamais eu de cours de chant. Je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne, mais ça fonctionne. Par rapport à la génération consciente des jeunes artistes, votre trempe, votre coup de cœur, c'est pour qui? Ouh, choix difficile. Je vais faire des jaloux, mais je vais C'est dire d'accord? c'est si mais. C'est si mais. Elle chante très bien. Quoique, ça, ce serait béninoise. Oui, au Togo. Au Togo, j'hésite encore. Nigeria, Yemi Parlons du Togo, justement, vous êtes Bénino-Togolais, c'est ça? Alade. Oui, je suis bénino-togolais. Que ça vous dit tout fan de Kouloukaché, le Kouloukaché. Ça, c'est les ambianceurs. C'est des gars qui ont porté haut le flambeau togolais. Donc, 00228, forcément, c'est ça? 2-2-8, toujours. Toujours, toujours. Alors, Alors, Lady, les toujours, toujours, toujours. toujours. Mais oui, c'est des gars que j'admire énormément, même si je ne les connais pas personnellement. Mais je veux dire, j'aime ce qu'ils font parce que quand je suis quelque part, même si je suis, mettons, triste ou quelque chose, j'entends Toufan et puis tout de suite, il y a un sourire qui vient sur On va y revenir, on va suivre ensemble un extrait de votre clip tourné ici et Sokem, c'est ça? Oui. C'est fait avec qui? C'est fait avec Sœur Corée, qui est un Béninois comme moi. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes ici à Montréal avec Enam voilà, Ayele. On va suivre ensemble Sokem. C'est parti pour un tour. On a cessé de se parler. Y a plus ta voix sur mon répondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous arrive? On se voit mais on s'évite. On se fait du mal. On s'en fout de ce qu'on devient. Ça c'est pas normal. On s'est blessé, ça c'est sûr. Mais revenons-en. On s'est pris la tête, c'est clair, mais réparons tout ça.
Et si mes mots t'ont blessé, je les efface, pardonne-moi. Et si mes actes t'ont trahi, ne m'en veux pas, pardonne-moi. Namayeli, merci encore d'être sur Tuvision. On est ici à Montréal, au Canada. On va nous suivre une chanson, votre feat avec ce jeune béninois, Sokem, de bonne facture. Alors, l'inspiration t'est venue de qui, l'inspiration? L'inspiration est venue du fait que j'avais blessé quelqu'un à peu près un an plus tôt et que ça a pris un certain exercice d'humilité pour reconnaître mes torts, m'excuser et pouvoir rétablir la relation avec cette personne-là. Et ça a marché après? Oui. Le message était bien. Le message est très bien passé. Alors, dans quelles conditions vous avez tourné ce clip-là? C'était tourné ici, c'est ça? Oui, ça a été tourné à Montréal. On a été chanceux d'avoir l'inspiration en été, donc on a pu profiter de l'extérieur de Montréal où il y a quand même d'assez beaux paysages. C'était bien? Oui, c'était une super belle expérience. Même s'il faisait super chaud, on se croirait presque à Cotonou au tournage. Merci encore d'être avec nous. On est ici à Montréal, au Canada. Alors, dites-nous, Namayeli, si vous me permettez, faites de la politique ou pas? Non, je ne fais pas de politique pour le moment. Une femme pour vous, c'est quoi une femme pour vous? Une femme, c'est une maman, une femme, c'est une éducatrice, une femme, c'est la fondation. C'est sur elle qu'on réussit à bâtir tout, puis si elle ne va pas bien, le reste ne peut pas bien aller. Vous savez quelqu'un qui vous protège? Oui, oui. Vous êtes apostolique, catholique, fervente? Je suis catholique et je suis fermement convaincue qu'il y a un être suprême qui nous a créés, qui veille sur nous et qui veut le meilleur pour nous. Votre rêve. Musicalement parlant, bien sûr. Mon rêve, musicalement parlant, c'est de faire des featuring avec à peu près tous les artistes que j'aime. On ne va pas commencer à les citer, on sera encore ici demain. C'est de pouvoir apporter du bien-être aux gens, comme la musique, moi, m'a permis de guérir de beaucoup de blessures, c'est justement de pouvoir redonner la même chose aux autres, pouvoir apaiser les cœurs, pouvoir donner des moments de bonheur à tout le monde. Ina Mayeli, merci encore d'être sur Tuvision. Nous sommes ici à Montréal, au Canada. Parle de vos textes, c'est écrit par vous ou pas? La plupart de mes textes, je les écris moi-même. C'est toujours des sujets de la vie courante, des sujets qui me touchent. Donc, ça va être le sujet du pardon, ça va être pouvoir être humble ou pouvoir aider les autres. Parce que pour moi, c'est important de s'entraider les uns les autres. Il n'y a pas un coaching particulier? Non, absolument pas le coaching. Je travaille avec des personnes. On lit beaucoup, c'est ça? Oui, on lit beaucoup. On lisait quoi à l'époque? On lisait quoi? J'ai lu tout. J'ai lu tout et n'importe quoi, en fait. Je lisais beaucoup de bandes dessinées. Je lisais quand même aussi des auteurs un peu plus, je vais dire, un peu plus classiques. Donc, oui, à l'école, Voltaire et autres. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'aime beaucoup aussi lire les biographies d'artistes. C'est pouvoir comprendre comment est-ce qu'eux, ils en sont arrivés là. Parce que souvent, nous, on voit juste, une fois que ça a réussi, on voit les clips, on les voit faire des concerts, mais il y en a beaucoup qui ont des expériences de vie assez particulières. Donc, votre signe zodiaque, vous êtes bélier, taureau, gémeaux? Signe occidental, je suis poisson, signe chinois, je suis tigre. Tigre? Oui. Vous croyez à ces choses-là?
Non, pas vraiment. Je me dis, oui, il y a peut-être quelque chose qui peut s'expliquer, mais l'astrologie, non, c'est le cadet de mes soucis. Vous croyez à la chance? La chance se travaille. Parce que même si quelque chose de bon t'arrive et que tu n'es pas prêt, ça va te passer sous le nez. Parlons de vos futurines, à part avec ce jeune Béninois, comment il s'appelle déjà? Sœur Corée. Sœur Corée, à part lui, il y a des feats? J'ai déjà travaillé avec la chanteuse camerounaise Vibi. J'ai travaillé avec Samito, qui est d'origine du Mozambique. C'était quoi la partition vocale par rapport à... Il y en avait plusieurs. C'est quoi un de mes préférés? I don't need your money. Hey, I don't need it. C'était une très bonne réponse au gars qui disait « You can chop my money ». Vous parlez anglais, c'est ça? Oui, je suis bilingue. Definitely you speak English. For sure. Merci d'être sur TuVision. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes ici à Montréal, au Canada. Notre invité s'appelle Enam Ayele. Merci encore une fois d'être avec nous. On ne va pas partir comme ça. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Je n'aime pas qu'on juge. Si tu penses quelque chose de quelqu'un, approche-toi de la personne, apprends à le connaître plutôt que de le juger. Si tu as un problème avec quelqu'un, va lui parler plutôt que de parler dans son dos. Qu'est-ce que vous aimez donc? Qu'est-ce que j'aime? J'aime la musique, forcément. J'aime passer du temps avec les personnes qui me tiennent à cœur. Mes amis, ma famille, j'aime passer du temps de qualité. C'est sûr qu'ici, on court un peu beaucoup dans tous les sens, mais j'aime ça, essayer de trouver du temps pour les gens qui comptent pour moi, pour qu'on puisse se soutenir, pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse avoir des fous rires ensemble, parce que la vie est tellement courte, on ne sait pas si on va les avoir demain. Nous sommes ici à Montréal, TuVision International. Qu'est-ce que vous avez vu sur TuVision? En fait, ce que j'aime le plus dans ton émission maintenant, c'est que tu vas chercher des artistes, tu permets à des artistes de se faire connaître. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que d'habitude, c'est nous, les artistes, qui devons courir après les journalistes ou après les médias pour quasiment les supplier de parler de nous, alors que la culture devrait avoir une place suffisamment importante. C'est aussi une façon de vendre notre pays. Ça, et donc, ce que j'aime beaucoup dans ton émission, c'est que toi, tu viens nous chercher, tu viens parler de nous pour que justement, on puisse se faire connaître et qu'on puisse faire connaître le pays. Justement, parlant de l'Afrique, de notre culture, vous êtes bénin togolais. Un petit mot en Minan, parce qu'ils sont en train d'ouvrir cette émission. Ils sont à Sigamé, ils sont à Lomé, ils sont à Porto Novo, ils sont à Dakar, on est sur Canal Sat. Un petit mot en Minan pour nous. En Minan, nyawe kodo anyino no akpena mikakalo. Et un petit mot enfant? Mikoda et Dijon. Ça, c'est vrai. Un acapella pour nous rendre partie. Un acapella parce qu'on va partir dans quelques minutes. Un acapella. Ok, je vais faire une reprise d'une autre artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Asha, la Nigériane. Bibanke, bomi pancho, fimi sile. Bibanke, kokubashi, fimi sile. Sacré Enam Ayele, merci d'être passé sur TuVision. Alors, un petit mot pour dire au revoir à ceux qui nous suivent en Afrique et dans le monde entier. Merci beaucoup à tout le monde. Ça m'a fait plaisir de parler de moi. Enfin, vous allez pouvoir me connaître et surtout, restez connectés parce que bientôt, il y a de belles choses qui arrivent. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, merci infiniment à notre technicien, notre cadreur. C'était Enam Ayele sur TuVision depuis Montréal. Merci infiniment. À bientôt sur TuVision. Ok. On se fait la guerre mais on mène les mêmes combats. La route n'est pas facile donc sachant où l'on va. L'amour est aveugle et ça c'est ce qu'on voit. Qu'on laisse la haine derrière avant qu'on parte. Je te tiendrai la main s'il te plaît ne tombe pas. Et si ça ne va pas alors faudrait qu'on se parle. C'est vrai c'est pas si simple, c'est pour ça qu'on râle. Pardonne-moi mes erreurs, question de morale. Sokem. Moulé Clouty, l'air est coucou.